Session municipale du 25 septembre 2024 dirigée par le maire Djibril Sonko. Ordre du jour, examen et adoption du compte administratif de l'année 2023, adoption du plan annuel de renforcement de capacité des agents, acceptation de dons, délibération portant affiliation à une IPM pour les agents. Et enfin, délibération portant fixation de nouvelles taxes municipales. Tous ces points ont été votés à l'unanimité par le Conseil. Autre point soulevé lors de ce Conseil municipal, l'éclairage public, le problème des cimetières, le quai de pêche, les équipements sportifs scolaires et l'équipement de la voirie. Prenant la parole, le maire a apporté des réponses positives. Dans le cadre du sport, la mairie a prévu la réfection du stade Jules-François Bertrand-Bokandé, du stade municipal Pedro Gomis, la construction d'un stade de basket couvert, la construction d'une piscine olympique. Côté éducation, la mairie va poursuivre son ambition de construction de salles de classe. L'éclairage public, des démarches vont être faites selon le maire pour satisfaire les populations. En divers, plusieurs questions ont été soulevées. L'état de certaines routes de la commune, les travaux de la voirie et l'occupation anarchique de l'espace de la mairie de Ziguinchor.